Cześć, jesteśmy na Tekach, jednym z miejsc, gdzie wieczorem odbędzie się Mercy Fest. Przysłuchujemy się teraz próbie Francuzów, którzy wieczorem tutaj wystąpią, a za chwilę zadamy im kilka pytań. Bonjour, comment allez-vous? On va très bien, il fait très beau, c'est très agréable. Comment vous vous appelez? Pourriez-vous vous présenter? Alors je m'appelle Baudouin et je viens de Lille et j'ai 19 ans. Alors je m'appelle Pierre-Emmanuel, j'ai 21 ans et je viens de Besançon. Je m'appelle Damien, j'ai 18 ans et je viens de Bourges. Merci. Depuis combien de temps et comment vous avez préparé votre séjour à Wrocław? Alors on s'est joint à un groupe de l'Alsace qui est jumelé, dont le diocèse de Strasbourg est jumelé avec une des paroisses de Wrocław. Et du coup, on a préparé et donc on vient passer une semaine dans découvrir la ville et rencontrer un peu les Polonais d'ici. D'accord. Pourquoi vous avez préparé cette danse ici sur Mercy Fest? Alors, parce qu'à travers la danse, c'est un peu de notre culture française que l'on souhaite montrer à tous les autres jeunes venus du monde entier à la Mercy Fest. D'accord. Est-ce que vous observez les points en commun entre Wrocław et Strasbourg? Alors, il y a des points architecturaux. Parfois, l'architecture se ressemble entre Strasbourg et Wrocław. Et il y a des points historiques, puisque l'Alsace a été un moment allemande et après est redevenue française. Et je crois que ça a été la même chose ici pour cette ville. Oui. Voilà. Et comment qu'est-ce que vous pensez de l'organisation de journées diocésiennes à Wrocław? Pour l'instant, c'est très bien. C'est assez bien indiqué où est-ce qu'on doit aller. On a des très belles messes le matin et on a beaucoup de prêtres, par exemple, pour se confesser ou pour recevoir les sacrements de l'Eucharistie. Donc c'est très bien organisé pour l'instant et voilà. Et tout va bien. Les familles sont très très accueillantes. D'accord, je suis très contente de le savoir. Je ne sais pas si vous déjà apprenez un peu le polonais, mais j'ai un défi pour vous. Est-ce que vous pourriez lire cette phrase? Ok. Essayez. On peut essayer. Vas-y en premier. Je bolesini, brzmi, ve trzcini. Ok, merci beaucoup. C'était très difficile, mais vous avez bien réussi. Merci. Jeżeli podobał wam się filmik i chcecie być na bieżąco ze wszystkimi informacjami, możecie subskrybować nasz kanał na YouTubie, dać łapkę w górę na Facebooku oraz obserwować nasz kanał na Snapchacie i na Twitterze.